Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je me suis levée assez tôt ce matin parce que j'avais envie, très envie, parce que ça faisait des semaines, des mois, voire des trimestres où je ne suis pas allée chez Action et je voulais y aller depuis quelques temps. J'essaie de faire en sorte de ne pas y aller trop souvent parce que c'est la folie, ce magasin, c'est la folie qu'on se le dise. On ne peut pas ressortir avec une seule chose. En tout cas, moi je ne peux pas. Moins j'y vais, mieux ça va. Par contre, quand j'y vais, effectivement, on a du craquage. Oui, du craquage. J'en ai eu pour un total de 80 et quelques euros. Je prends mon ticket de caisse qui est juste ici. Hop. Alors, vérification. Le ticket de caisse est tout petit, mais j'en ai pour 83,99€ exactement. Mais effectivement, j'ai acheté des trucs très sympas. En tout cas, pour moi, je vous partage ça tout de suite. Donc, on va commencer par regarder un petit peu ces petites emplettes. À la base, j'allais chez Action car je veux réorganiser un petit peu mon placard de la deuxième chambre, là où je mets tous mes vêtements. En fait, il faut savoir que mon placard est très large. C'est-à-dire que je peux mettre une pile de vêtements derrière et une pile de vêtements devant. Sauf que forcément, c'est un peu galère quand on veut récupérer les trucs qui sont derrière, etc. Et je me suis dit, organisation, organisation, il me faut des paniers. Et j'aime énormément, ils sont où ? Mes paniers bambou, bah, que je les ai mis. Oui, j'avais déjà regardé si ça tenait bien dans la chambre, si je ne m'étais pas gourée sur les dimensions. C'est les plus grands paniers en bambou. Voilà. Hop, qui font 30 cm sur 25, je crois. Est-ce que c'est marqué quelque part? En tout cas, c'est les plus grands. 32 cm sur 25 avec 15 cm au niveau de la hauteur. Voilà, donc j'en ai pris que deux. Alors, j'en aurais eu besoin beaucoup plus. J'en ai pris que deux parce qu'il y en avait plus que deux qui étaient en bambou clair. Il restait du bambou noir et en fin de compte, je pense que vu qu'il y en a qui auraient été à l'arrière, qu'on n'aurait pas forcément vu, j'aurais peut-être pu prendre les noirs. Mais bon, franchement, quand vous prenez deux paniers comme ça, parce que en gros c'est ça, voilà déjà toute la place. Là, est-ce que ça vous prend quand on y va avec ses petites jambes, ben, il faut avoir les bras costauds, voilà. Donc voilà, j'ai trouvé donc ces deux paniers et il y avait aussi ces paniers-ci qui étaient en promo. C'est les paniers filaires en bambou également. Alors j'ai pris deux blancs, donc blanc et bois pour le coup, et puis noir et bois, donc deux de chaque. Par contre, sur un, j'ai vu qu'il va falloir que l'homme, oui, l'homme, il m'entend pas. Ah, si tu m'entends, il va falloir, chérie, parce que en fin de compte, ça se décolle, ça. Je me suis fait avoir déjà, quand je les ai choisis, il y en avait un qui se décollait. Et tout à l'heure, j'ai vu qu'il y en avait un aussi qui ne tenait plus. Où est-il? Ah bah, ça va être celui-ci. Regarde. Hop, il s'enlève. Donc, il va falloir les recoller. Pas bien grave, en tout cas ils sont plutôt, voilà, voilà, Miss Catastrophe, bonjour. Bref, voilà, ils sont plutôt quand même très sympas. Bon bah voilà, en termes de solidité des poignets, on repassera un petit coup de glue et puis c'est reparti quoi. Bref, en tout cas c'est plutôt joli, donc je me dis même dans une salle de bain pour y mettre les serviettes, etc. Enfin, utilité, on trouve toujours une utilité. Au niveau des paniers, en tout cas moi, je trouve toujours une utilité avec les paniers, paniers en bambou, paniers filaires comme ça, noir, blanc. C'est très simple parce qu'en termes de décoration, ça va partout. Donc voilà, donc on va continuer un petit peu dans le bambou. J'ai trouvé ce petit plateau. Made in India, donc 33 cm sur 15 cm et en fait dans mon entrée je viens glisser, enfin je viens glisser, n'importe quoi, dans mon entrée j'ai ma commode, vous savez,
l'endroit où il y a ma commode, où j'aimerais qu'elle parte, dans la chambre du fond, dans mon dressing, pour pouvoir y mettre ma fameuse, mais ma fameuse armoire à chaussures. Enfin, meuble à chaussures, qu'on n'a toujours pas d'ailleurs. Mais du coup, j'ai pris ça et je me suis dit, c'est pas mal parce que à l'heure d'aujourd'hui, sur ma commode, je mets mes parfums. Et je me dis, ça peut être sympa, voilà, de mettre mes parfums dessus. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris également, alors on les a beaucoup vus dans les halls Action. Et j'en avais jamais acheté encore. Et là, je me suis dit, non, il faut. Vous savez, c'est ces petites thés justement. C'est ces petites thés justement. C'est ces petites thés qui sont des thés de coussin. Thés d'oreiller. Mais bon, là, ça sera des thés de coussin. Donc, voilà. Au niveau de l'ouverture, j'ai même pas regardé dans le magasin comment ça s'ouvrait. Ah bah, fermeture, tac. Donc voilà, j'en ai pris deux et vu que vous savez, moi sur mon canapé, c'est noir en fait. Hein, moi, je mets des plaines noires pour protéger avec les griffes de mes fameux animaux d'amour que j'aime, mais qui risquent de me défoncer grave mon canapé. Du coup, je me suis dit, ça peut être pas mal. Hein, voilà, beige, un petit peu l'ambiance cocooning. Et pour aller dans le même délire, un peu aztèque, machin, cocooning et tout, j'ai pris... Alors, je suis pas sûre d'avoir assez de recul, pardon pour le bruit. Mais ils vendent également... Alors ça, c'est ce qui m'a coûté le plus cher. J'en avais environ... Je crois qu'il m'a coûté environ 22 euros et quelques. Mais voilà, c'est un grand tapis. C'est un grand tapis comme ça. Que je ne mettrai pas... Je vais dire chez moi, mais si. Mais en tout cas... Je vais pas le mettre ni dans mon salon, ni dans mon couloir, ni dans ma chambre. C'est impossible. Parce que quand je mets un tapis chez moi, mes chats font pipi dessus. Enfin, mon gros chat fait pipi dessus. Du coup, c'est un tapis qui ira dans la chambre du fond, là où je veux réorganiser, réaménager en petit dressing, etc. Et là, normalement, ils n'y vont pas. Donc, je le mettrai là-bas. Après, on continue dans la décoration. Décoration, j'ai pris aussi cette étagère. Voilà un petit peu l'étagère, ce que ça donne exactement. Donc là, en termes de dimension, c'est 50 x 12 x 60. Clairement, c'est vraiment le côté déco que je vais mettre dans mon couloir. Je me dis, on reste dans le côté un peu bois naturel. On a aussi ce noir un peu métallique, etc. Je pense que ça peut être très, très, très sympa. Voilà. Petite étagère. Parce que je suis une dingue. Oui. Une dingue des livres, des bouquins, des machins. Il faut toujours qu'elle note des trucs partout. Mais que j'en ai déjà. Hein. Au moins 4-5. Mais j'aime tellement ça que j'en ai repris. Et là, il y en avait, alors je sais pas si vous allez voir, en effet un peu velours. Voilà, donc des notebooks. J'en ai pris deux, un beige et un noir. Donc l'intérieur, hein, c'est tout simple. Hein, c'est juste, voilà, des lignes que vous retrouvez. Mais ça me permet de noter tout ce qui est idées, etc. Je les utilise beaucoup pour le pro comme le perso, comme YouTube, beaucoup pour YouTube. Je note mes idées dessus et après je refais une page, enfin bref, je fais ma life quoi. Et donc ça, je les ai trouvés trop mignons. Ce côté, dufteux. Est-ce que je peux dire ça? Dufteux. Non, je ne suis pas sûre. Enfin bref, voilà, on s'est compris. Hein. Et pour... Parce que aussi, je suis une dingue de stylos. Moi, j'ai un problème avec les stylos. C'est-à-dire que j'ai tout le temps des stylos, des stylos, des stylos. J'ai des stylos qui datent de mon boulot d'il y a 4 ans. Je sais pas pourquoi. Je n'arrête pas de prendre des stylos de tout, de partout. Faut vraiment que j'arrête, mais c'est machinal en fait. Si un jour je vous demande un stylo, dites-moi, Noélie, redonne-moi-le, s'il te plaît. Voilà, n'hésitez pas. Parce que sinon, je ne sais plus quoi en faire.
Mais pour pouvoir justement les ranger, j'ai pris également pour aller avec mes petits livrets, hop, les trousses. Donc j'ai repris, tac, deux trousses. Une noire, une beige. Voilà. On continue avec... alors là, on est un petit peu moins sur déco machin. Là, ça va être du bicarbonate de soude, voilà. Alors, j'aime bien cette marque. Je prends aussi, vous savez, le spray au savon de Marseille. Mais celui que j'adore, c'est menthe, vinaigre menthe. Il est topissime pour les vitres. Bon, après, je dis je l'adore, mais franchement, vous mettez du vinaigre, de l'eau et une branche de menthe, ça fait très bien l'affaire. Pas besoin de passer chez Action. J'ai repris aussi, enfin j'ai repris, non, mensonge. Non, j'ai pris de l'eau de rose. Voilà, apparemment, l'eau de rose, c'est très sympa pour... Merci Milly qui me fait tourner ma table. L'eau de rose. Alors, ce chat adore rentrer dans les sacs. Tu rentres? Tu veux rentrer dedans? Tu rentres dedans? Et là, elle me fait mentir. Viens. 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 Allez. Pousse-toi. Hop. Hop. C'est toujours quand on leur demande de faire des trucs qu'ils le font pas. Hein. Bref, donc du coup, eau de rose. Donc j'ai pris ça. Je pense que en juste pour finir le démaquillage, etc. Je pense que c'est très 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 bien. En fin de compte, habituellement, je prends de l'eau micellaire et je me dis, ça laisse un petit côté, une petite odeur de rose, ça peut être très très bien. Voilà. Et la dernière chose que j'ai achetée, et là je me suis fait influencer par Family Forever, c'est ça. Cette petite tasse, ce mug trop chou en doré comme ça. Il était trop joli. Je l'ai vu sur sa chaîne, elle a fait un haul Action. Bon, ça dépend quand est-ce que je vais vous poster cette vidéo, mais elle a fait un petit haul Action et elle montrait justement cette tasse qu'elle avait vue, enfin qu'elle avait eue chez Action, Good Vibe aussi qu'elle avait pris. Il y avait d'autres intitulés. Pourquoi j'ai un truc noir dessus? Ok, bon, voilà, j'ai un truc noir dessus. Voilà, petit truc noir. Ça m'apprendra à ne pas vérifier. Oui. Oh, Milly, qu'est-ce que tu fais? Non, non, pas ici. Sors de là. Sors de là. Allez, allez. Hop. T'es pénible un petit peu. Hein? Hein, t'es un peu pénible. Oui. Faut toujours que t'ailles là où il faut pas. Cookine. Bon, voilà pour ce haul Action. Je pense que je ne vous ai rien oublié. Je vais juste vérifier panier filaire, hein, trousse, carnet, housse de coussin, bicarbonate, le meuble, the body, le truc de l'eau de rose. Ah si, j'ai oublié de vous montrer également, alors ça doit être à l'intérieur, le dernier petit truc que j'ai acheté, c'est des pansements. Voilà. Je les ai même pas pris pour moi les amis. Vous savez pourquoi je les ai pris? Pour le boulot. Parce que la dernière fois je me suis coupée. Enfin j'ai mis un antivol. Je me suis transpercé le doigt. Je me suis dit j'ai plus de pansement. Donc voilà, pour le boulot. Ben voilà, écoutez, j'espère que ce petit haul vous a plu. Nous allons nous atteler, enfin surtout l'homme, à poser cette petite étagère. Et vous verrez un petit peu tout ça dans un prochain vlog où je vous ferai un vlog et je vous montrerai ce que ça donne. Bon, par contre, il y a des trucs que je vous montrerai pas puisque tapis m'a cramé justement. Bon, bah voilà, c'est tant que mon dressing n'est pas fait, je pourrais pas vous le montrer. Mais voilà un petit peu mes achats du jour. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah.
Ciao, ciao.